Ouais. Ça, t'as bien lu le titre, c'est mon mien. Ouais, je sais. J'abuse. Et je sais aussi, il y a Robaric là qui me dit, mais qui est en train de se dire, mais couillon, ton ancien toit est chez toi pour la vision, pourquoi tu prends pas celui-là? Parce que j'aurais envie d'un neuf, c'est comme ça. Dans le temps, je changeais tout le temps de fille, mais maintenant que Gigi m'a capturé, que de toute façon j'ai pas envie de partir de là, jamais, et ben c'est l'air, c'est que je change tout le temps. Tu vois. J'ai donc fait pour ma pomme. Hein, et chose rigolote quand même, on l'a toujours vu qu'en orange, et malgré que ce soit le carton spécifique au MTE, regarde, ils ont mis un choix de couleur mais qu'on n'a jamais pu avoir. C'est couillon quand même, hein. Ça aurait été sympa d'avoir deux trois autres couleurs. Alors ce Serpent MTE va évidemment recevoir une carrosserie incassable. Si il veut bien sortir de sa boîte. Voilà. Ouh, ça tombe bien, regarde. On a reçu des pièces Kyosho de Hervé pour le petit. Je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de petit tout-terrain. Et la bonne blague de chez Kyosho, c'est que moi je cherchais donc les fusées seules. Et tu peux pas avoir les fusées seules. Tu es obligé d'acheter les deux porte-fusées, les fusées, les roulements et les hexagones ensemble. Prix catalogue, c'est à peu près une vingtaine d'euros, en gros, entre 15 et 20 euros selon les boutiques. Et franchement, on se pose des questions. Hein. Il y a de quoi s'interroger chez Kyosho, parce que c'est un engin pour les débutants et les petits. Peut-être si on dit c'est plus simple à changer pour le petit comme ça, mais c'est nettement plus cher. Genre, c'est une voiture à 150 euros, si tu dois déjà changer une paire de fusées à, 100, à 20 euros à chaque fois. Moi je trouve ça, ça fait mal. Des fusées de Traxxas Max sont moins chères. Des porte-fusées ou des fusées. Hein. Tu vois. Le Serpent MTE. Alors. Muggy, pour moi, définitivement. On n'a pas de boîte de réduction. Hein. On n'a pas des grosses dents dans les diffs. Et, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc son petit point faible, ce sont les roulements épaulés sortis de cellules. Mais, alors tu les achètes pas chez Serpent, hein, sois pas fou. Généralement, les marques RC standard, chaque fois que tu cherches des roulements épaulés, tu payes une fortune, alors qu'ils sont plus petits, plus légers. Mais parce que tout simplement, à cause de l'épaulement, c'est plus cher à fabriquer. Tu peux les acheter chez Kanzen en paquet de 10 ou 20 ou ailleurs. Si tu peux en trouver, enfin il suffit de chercher, tu peux en trouver des hybrides céramiques, donc beaucoup plus solides. Prends-les, c'est comme ça, tu as la paix. Carrosserie, on n'aime pas. Je m'y suis habitué. Au début, je trouvais ça un peu bizarre. Bon, là, c'est sûr, il n'y a pas encore de déco, mais une fois que la déco est dessus, tu t'habitues. C'est clair, tu la chauffes un petit peu pour la faire rentrer sur les côtés là. Et finalement, elle a une bonne petite bouillie, mais on mettra quand même une carreau incassable. Et c'est ce qui m'a décidé à en reprendre, c'est que, à cause de Jean, en fait, Enza CRC Body, parce que, ils ont fait celle-là. Voilà. Tu vois, vous en faites pas, hein. Ça c'est parce que je l'ai stocké n'importe comment, on va la chauffer, on va la ressortir. Mais j'aime beaucoup, ça donne un méchant look à la bagnole. Et la deuxième raison, enfin il y en a trois. La deuxième raison, c'est que ils ont changé les cardans arrière. Donc chez Serpent, en ce moment, il faudra être un peu patient. On va avoir un peu de bordel, je pense, chez Serpent, parce qu'ils ont aussi en train de. C'est comme, comme au Bow. Il y a plein de marques RC en ce moment qui changent d'usine et ça pose certains couacs. Donc on a maintenant les CVD arrière du Truggy. Pour trouver les références, tu vas sur le site Serpent, tu télécharges la notice du Truggy et tu prends les porte-fusées avec, surtout il te faut les porte-fusées,
le roulement intérieur, la tête, donc la fusée, et le cardan. Évidemment, il est fin, mais c'est en spring steel, donc il y a un certain flex, ce qui fait que justement, il va pouvoir bosser avec la suspecte. Lui, il revient en place, c'est pas un souci. La tourelle arrière du Truggy se monte, et la tourelle arrière du Truggy se monte aussi à l'avant, si tu veux. C'est pas tout à fait pareil, mais ça se monte. C'est d'ailleurs un peu étrange qu'ils aient pas mis la même tourelle devant-derrière et le même support carreau. Du coup, tu as deux supports carreaux différents et deux tourelles, alors qu'on a les mêmes angles d'amorteau devant-derrière. C'est assez bizarre, puisque l'ancrage en bas de la cellule est le même aussi. On n'aurait rien changé. Et tu vois, là, ça c'est pareil. Ici, j'ai le châssis, ce que j'avais pas sur l'autre, qui est bien estampillé 70-75 T6. Même si l'autre était quand même de toute évidence de ce talus-là. Pare-choc. Ouais. Les pare-chocs, alors là, tous les vrais MT du marché peuvent être jaloux. Ce sont les meilleurs pare-chocs en 8e que j'ai eu en main, clairement. J'aime bien le fait qu'il y ait la place à l'intérieur pour les batteries et que tu puisses en mettre deux. Évidemment, j'ai bien envie de mettre un moteur avec des tout petits KV, 1400 par là, 8S, pas pour aller plus vite que le 6, hein, mais vraiment pour être détendu sur les efforts de consommation, d'ampères, tout ça. On va évidemment, comme sur tous les autres, virer ça, ouvrir la boîte radio, enlever la platine sauf cerveau réception pour voir dans quel état sont les câbles là-dessous, parce que on a eu sur tous les derniers modèles des surprises. On va serrer tous les BTR, et d'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois, regardez, sur les voitures que j'ai préparées pour Elvina et Laurent. Sur une des deux, j'ai clairement pas checké à l'intérieur des portes fusées le serrage des BTR, et ils ont évidemment eu cette bonne blague. Comme il y a un élargisseur de mort sur la machine, le BTR pas serré, la goupille est sortie un petit peu parce qu'il y a un joint torique dessus. Il y a un joint torique autour de la goupille pour l'empêcher de sortir, mais c'est un peu... c'est pitoyable parce que c'est la même blague que fait Vécar ou JLB, je crois. C'est quoi le Vécar Bison, si je ne sais plus. Non, c'est pas le Vécar, c'est le... j'ai oublié son nom. Le DHK Maximus et Zombie ont ça. Ils ont des élargisseurs et un joint torique, mais le joint torique, ça sert à rien. Ça n'arrêtera jamais une goupille sous l'effet dynamique, puisqu'il peut rouler sur le côté. La goupille va pousser le joint, elle va sortir à côté du joint et va se barrer. Tu vois ? Rien ne l'empêche de sortir, c'est mort. Et voilà. Donc c'est nul, tu vois. Pas bien, Mani, d'avoir oublié ça. Là aussi, j'ai des écrous noirs. Et il me semble pas avoir eu des écrous noirs sur les autres. Je ne sais plus. Je perds la boule. Ouais. Il est temps de faire des vacances. De redescendre à une vidéo par jour, tranquillement. Hein. Là aussi, donc, pas de Loctite sur aucun des écrous. Donc, pensez-y, faites-le. Donc, checkez vraiment tout. Ce que j'aime bien sur ces serpents de terre-terre, c'est précisément noix de cardan, cardan en transmission, tout ça en spring steel de série pour un prix quand même dérisoire. On est à 540 € sur le MT. En plus, il est relativement léger. Les suspects, tu vois, là, on est un peu ferme. Alors, j'hésite si je ne veux pas mettre 2x6 en parallèle dedans. Être en 6S, mais du coup en 11 000 ou 12 200, puisque j'ai des 5 600. Ça nous fera un kilo 6 de batterie à bord, mais du coup, lui, il sera bien souple. Ou si je vais aller travailler mes ressorts pour qu'ils diminuent. Alors, on a essayé plusieurs ressorts différents. Le problème en diamètre, c'est qu'on n'arrive rien vraiment qui correspond. On a essayé l'OSI, on a essayé les SEN. Marche pas vraiment. J'ai presque envie d'essayer sur un, de prendre 4 amorteaux arrière de Truggy RTR. Et les mettre en lieu et place. Parce qu'après, ça sert spécialement pas à grand chose d'avoir des amorteaux aussi gros. Les tiges sur le Truggy sont du même diamètre. Donc, on ne changera pas grand chose. Vous savez quoi, on va le faire ensemble. On va enlever ça là et voir ce qui se passe dedans. Au niveau des huiles, détendu à l'arrière, détendu à l'avant et un peu plus ferme au centre. Vraiment exploitable, sortie de la boîte, tranquille en 4S. En 6, ça moulinette
tout petit peu trop vite de l'avant, mais gérable. La radio, on ne reviendra pas dessus, c'est un échec, comme chez Coralie. Cette radio, je vais évidemment la laisser sur les véhicules qui vont partir en tombola. Je ne m'en servirai pas moi. Et on va rapidement enlever tout ça ensemble. Et puis, comment, en plus, je me pose la question si je vais mettre... D'un côté, j'ai quand même envie de laisser un 6. J'ai un Taurus ici, 1700 kV. Je pourrais lui laisser du 6S, comme il est pas trop lourd celui-là. Alors là aussi, regarde, le câble complètement écrabouillé, regarde-moi ça, il est plié à 90 degrés et voilà, complètement, totalement écrabouillé. Pas bien, ça j'aime pas, mais alors pas du tout. Hop, dehors le récepteur, ça c'est fait. Maintenant, on va... sortir là-dessous la platine cerveau récepteur. Je vais en profiter aussi, je pense, pour changer directement le cerveau. Moi, j'étais content avec le cerveau d'origine, hein. Mais si déjà tant qu'à faire, pourquoi il met pas y mettre un autre direct? Alors, il existe en option pour ceux qui ont le problème, au cas où, si vous cassez la corne de cerveau, comme elle est spécifique, tu peux pas mettre n'importe quoi d'autre, à cause de l'angle qu'elle a à l'intérieur, là, c'est un peu tordu, tout ça. Il existe une option Serpent, évidemment. Tu ne peux pas accéder à la vis ici par devant, parce que c'est l'écrou qui est là, tu es obligé d'enlever la corne sur le cerveau. Donc, méfie-toi quand tu la remets de ne pas te planter, ou alors tu l'enlèves ici. C'est ce que moi je vais faire. Avec le bon embout, ça va mieux, Manu. Voilà, mon petit. Ce que tu peux prendre comme option du Truggy aussi, c'est le renfort ici arrière-alu. Alors moi, pareil, j'ai pas eu besoin. Mais c'est peut-être aussi parce que j'avais mis les tubes nylon qui rejoignaient d'un côté à l'autre. J'hésite si je vais le refaire sur celui-là. Je me dis d'un côté, ok, fais-le tout de suite. D'un autre côté, je sais que je ne vais pas y aller aussi fort que j'y suis allé avec le premier du nom à ce moment-là, à cette époque-là. Parce que maintenant, on l'a testé, on sait qu'il n'est pas mauvais. Et bingo. Alors, serpent, mauvaise note. Félicitations, zéro pointé. Tu vois ? Parce que là, il va peut-être fonctionner, peut-être pas. Il va peut-être fonctionner un petit moment ou pas. Et ensuite, il risque de lâcher. Avec un atroce court-circuit. Et après, on te dira, c'est ta faute. L'engin est vieux. Le câble est tendu comme un string. Trop petit sur un cul trop gros. Là aussi, hein, il est complètement squitché dedans. S'il bouge, ça va. Ouais. Regarde-moi ça. Je m'approche, je te montre. Regarde-moi ça. Le massacre. La masse s'est crabouillée, mais méchant, hein. Et le câble de signal, alors lui, si lui, il n'est pas coupé dans la gaine, là, alors il a eu chaud, hein. Mais c'est dommage. Franchement, lui aussi a été coincé là. Bon, ça, ça doit pas lui faire grand mal, mais quand même. C'est navrant. C'est dommage. Bon, évidemment, là, ils ne pouvaient pas quoi savoir. Hein. Ils ont eu la vidéo qu'on a fait la dernière fois, mais t'imagines bien que ce véhicule a été produit il y a longtemps avant ça. Donc, je disais, je l'ai pris parce qu'ils ont changé ça, parce que j'ai une autre carreau de Enza CRC et... Bon, évidemment, j'aime les pare-chocs et les roues, mais j'ai envie d'y coller les... En fait, on va y mettre les grosses roues. J'ai envie de mettre des roues plus petites, mais
Ils ont le même poids aussi. Bon, celle-là, elle ballonne, hein, mais c'est sympa pour les seaux. J'ai envie d'y coller celle-là dessus, moi. Tu vois, d'y donner un look un peu plus comme le Savage, c'est-à-dire une carreau longue, mais des roues pas trop grosses. On perd pas en largeur. C'est sûr que... j'avais essayé, pourquoi je prends les élargisseurs quand même avec les 0 offset, parce que j'avais essayé sans élargisseur avec des roues offset, et en fait t'es pas assez large et tu vas tout le temps frotter la carreau, tout simplement. Voilà pourquoi. Donc ça, il n'y a pas bon. Bon, et comme l'engin est déjà à moitié démonté, hein, on va continuer à le démonter. C'est peut-être l'occasion de faire les huiles de diff directement. Allez, sortons le moteur. Ouais, franchement, j'ai envie qu'il te... Il faut vraiment qu'il nous remette ces engins en kit. Les constructeurs, arrêtez de faire des inserts. Faites des kits. Tout petit pignon de 12 dessus, ça c'est un très bon choix. Ah oui, différence majeure entre le MT et le Truggy. Couronne principale et surtout couronne et pignon d'attaque. Ne vous trompez pas, ne prenez pas couronne et pignon d'attaque de la version Truggy parce que vous n'avez pas le même nombre dedans. Vous allez donc changer l'étagement. Ça, faut faire gaffe. Hein. Les moteurs donc de ce type qu'on a pu constater sur le Monster et aussi sur le Buggy finalement, quand j'avais ouvert le moteur du Buggy. Bon là ça va, c'est un long, mais en plus il a un rotor plus gros, c'est un 1940 kV. Et je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas changé de fabricant, je ne sais plus. Non, c'était bien ça. Et le Buggy aussi, parce que je m'étonnais que le Buggy avec le moteur de 68 de long est relativement quand même assez performant, parce que le rotor dans ce moteur de 68 est plus gros, le moteur en lui-même est plus gros en diamètre, les rotors sont plus gros en diamètre que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Tout simplement. Alors on ne sait pas quel est le fabricant de ce moteur. Ça ressemble assez au Sky RC. Les Sky RC de Toro étaient comme ça. Bon, ils ont une autre face avant, mais ils ont ce câblage là. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est si c'est un 4 ou 6 pôles. Il faudrait voir si on a quelque part une indication. Évidemment, là, quand tu tournes comme ça, tu ne peux pas le savoir. Alors, le moteur lui-même est bien niveau performance, ce que certains ont eu, enfin beaucoup, il y a encore quelqu'un qui m'a mailé dire dernièrement, en y allant fort, c'est pour ça que je ne suis pas inscrit, je ne suis pas inquiet pour, évidemment, Laurent et Elvina, parce qu'ils roulent en 4S, c'est qu'en 6S, beaucoup ont flingué les rotors. Le rotor s'est mis à tourner séparément du reste. Et, on ne sait pas si c'est quelque chose qui a bloqué, si c'est... on ne sait pas. Et là aussi, j'ai autre chose encore, c'est que, regarde, mon support est noir. Est-ce que j'avais le support noir sur l'autre? Parce que sur le Truggy, il me semble que c'est couleur alu standard. Je me souviens pas que c'était noir, ce machin. Tiens, tiens. Ça, c'est rigolo. Donc, à voir. Cale de train aussi, évidemment, tu peux monter celle du Truggy, hein, n'oubliez pas. Puis sinon, c'est tout. Donc moi, bah, vu que j'ai tout démonté, oui, je vais en profiter pour virer. Je vais changer du coup toute mon électronique d'un coup. Et je vais changer mes roues. Et tant qu'on y est, on va aussi changer tout de suite l'huile avant et centrale. Je vais mettre de l'huile avant plus dure pour éviter banage la roue intérieure sortie de virage. Parce que je n'aime pas ça, vous le savez. Monster, je fais quand même un minimum de gros tout-terrain de franchissement, donc ben, faut que ça motrice un petit peu. On va faire ça. Il est super léger, c'est un truc de dingue. Après, c'est un châssis plat, donc n'oubliez pas qu'avec un châssis plat, tu ne pourras jamais faire ce que tu fais avec un châssis extrudé ou TVP. Ça, c'est un truc... Arma s'obstine avec le châssis plat, surtout sur le Creighton Vitesse. Et tu pourras jamais faire avec un châssis plat en alu ce que tu fais avec un X-Max. Juste impossible. C'est des choses que beaucoup ont essayé depuis très très longtemps et ça n'a jamais, jamais, jamais fonctionné. C'est clair.
Ok, vous savez quoi, on va aussi encore sortir rapidement le diff central. Et je vais vous montrer parce qu'il a un accès rapide. Hop, hop, t'as le diff dehors. Et tu vois, il va bien dur. C'est une couronne de 52 qu'il y a là-dedans. Donc, tu vois, Serpent a mieux fait que tous les autres qui s'obstinent avec leur couronne de 42, 47. Ouais, si, Arma, ils avaient mis du 50 déjà. Maintenant, c'est Coralie qui est passé à 52, enfin. Mais eux, ils l'avaient fait avant. Marche un peu raide, hein. Marche un peu raide, ce machin. Je n'aime pas ça. Alors, Elvina et No, ça marchait super bien, les dix. Mais celui-là, il marche un peu dur, là. Ah, aussi, indication, évidemment, si les clous à l'arrière dépassent plus qu'à l'avant, ça, ce sont les abos qui me l'ont appris. C'est ce que je dis toujours, hein. C'est pour ça que je vous invite toujours à ne jamais hésiter à commenter, les mecs. Et vous n'avez pas besoin d'être absolument sûr de ce que vous dites, hein. C'est juste si vous avez une idée, vous la balancez, les gars, hein. Non, tu vois, on est bien rempli, regarde, tout va bien, on a une bonne quantité de graisse. Voilà. Alors là-dedans aussi, c'est pareil, hein, c'est de l'acier pressé à froid, donc ce sont des pignons relativement mous, je dirais. Mais ça tient, j'ai pas eu de soucis avec. C'est vraiment de l'huile épaisse. Hein. C'est quand même déjà bien épais, regarde. Bon, c'est pas de la 500 000, mais c'est quand même déjà bien épais. Alors, vous savez quoi, on va... Regarde. Voyons voir. Et... Il y a de la graisse un petit peu, regarde. Ils l'ont fait. C'est cool. Bon, moi je vais laisser couler ça tranquille. Je vais sortir tous mes diffs et je vais m'en occuper. Je sais que je suis censé faire plein d'autres choses. Bon, démonter c'était facile, hein. Mais c'est remonter quand t'as pas toute ta tête, ça va pas. On va éviter, hein. Bon, après c'est bien, ça peut être que rigolo, mais voilà. Non, je vais faire gaffe. Et entre temps, je vais donc réfléchir 6S, 8S, tu vois, je sais pas. On va voir, on va voir. Alors, on va se mettre une petite coupelle. Alors, les petites coupelles aimantées. Alors moi, ça va, puisque j'ai à côté, au coin des trois frontières, l'Allemagne et la Suisse, plein de magasins bricolage où il y a des prix sympas. Sinon sur on m'a déjà demandé où tu peux en avoir, bah, sur Amazon ils font des lots 3 à des prix sympas. Allez quand même voir dans votre magasin de bricolage local, hein, c'est pas forcément plus cher, faut se méfier. Voilà, ouais, une fois je laisse tourner pendant que je range, comme ça vous voyez tout ce qui se passe. Puisque les gens me demandent toujours, ouais, mais qu'est-ce que tu fais tout encore? Ben, chaque fois que tu as bossé, tu ranges. Chaque véhicule, chaque fois que tu bosses, ou que tu sais que tu vas quitter ton poste de travail, et ben, tu ranges derrière toi. Ça t'évite d'avoir un fouille sans nom derrière et de devoir chercher tout ton matos. Clair. Comme toujours, j'ai certainement oublié plein de trucs, mais il y a une chose que je n'ai pas oublié, c'est un méga grand merci à Hervé. RC Race Shop, qui est mon dealer Serpent maintenant. Et du coup, je suis titillé. J'ai envie de tester le buggy, j'ai envie de tester le truggy. Enfin, j'avais déjà le truggy, mais j'en prendrai pour moi. Mais ça, on verra après l'utilisation du Revo, puisque, comme dit, le chrono, je suis pas à l'aise avec. Voilà. C'est pas mon dada, ce machin. Donc plutôt peut-être prendre le Serpent Truggy, parce que j'hésitais entre le Team Asso Truggy
que j'aime beaucoup. Donc là maintenant, la toute dernière version qui est sortie. L'avantage chez Serpent, c'est qu'ils font la version RTR qui est bien équipée. Je veux dire, voilà, il y a un petit couac sur les câbles qu'il faut checker dès que ça arrive. Mais pour ce que j'en fais, la version RTR suffit large, suffit vraiment large. Il est vraiment bien, tu peux monter la garde au sol à l'extrême parce qu'il y a les CVD partout. Donc c'est pas plus mal. Le buggy, c'est dommage, c'est prévu que pour le moteur court, mais comme dit, le rotor est un peu plus gros et les performances sont ok. Après, ça, elle empêche de mettre un moteur plus performant qui prend 6S. Hein, tu prends un petit 1800 ou 2000 kV en 68, mais qui passe en 6. Le véhicule fait que 3,5 kg, 3,8 kg, ça se passe super bien. Parce qu'il est clairement dynamiquement beaucoup plus à l'aise que. Parce que j'avais roulé l'ancienne version, que tout ce qui est Corallie Arma, c'est clair. T'as un moteur plus petit et d'origine c'est du 4S, mais si tu passes en 6, t'as la barre plus haute que Corallie et Arma, c'est clair. Et ce qui est dommage, c'est la SRX8 et je suis vraiment pas fan des diffs ouverts. Hein. C'est vrai qu'elle a une roue libre de ma boule, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir les diffs ouverts. Par contre, je me demande, je vais pas me reprendre s'il entraîne en crewing quelque part une 811 LVB. Donc c'était cette base, simplement en version GT, parce que je l'avais passé en vitesse avec le 1500 kV en vitesse. On avait des Vmax mis à 95 km/h, je roulais en vitesse 5000, 30 à 35 minutes. Passé à 125, on faisait quand même encore 25 minutes. Et moi je trouve que faire des manches de GT qui durent 20 minutes avec des Vmax à 120, là c'est funky et c'est ce qu'on voit, il faut savoir, les nitros, les superpistes, boîte 2. C'est les Vmax qu'ils arrivent à prendre. Parce que j'ai regardé quelques manches de GT 1.8 en 4S. C'est pas formidable. Enfin perso, point de vue extérieur, comme ça, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire nous, tu te dis, ouais, ok, sans plus. Attention, attention. Ne prenez pas mal, hein, parce que c'est certain que si je participais, je serais très certainement la voiture balai, je dis pas le contraire. Salut les mecs.